La région méridionale du Bénin connaît depuis quelques semaines une période de pluie sans précédent qui dérange les habitudes. À Ganvier, le niveau de l'eau a considérablement monté, rendant du coup difficile, voire impossible, la principale activité des habitants qui est la pêche. Du coup, des ménages se sont retrouvés en difficulté et c'est pour soulager un tant soit peu leur peine que le Lions Club Cotonou Belle Harmonie a volé à leur secours. Ce mercredi 28 septembre 2022, Marcel Dosukoui et ses amis Lyon se sont rendus dans ce village lacustre, les bras bien chargés. Nous sommes ici pour deux œuvres. L'œuvre sur le paludisme et l'œuvre sur la paix. En venant, on a remarqué c'est la crue, le fleuve a augmenté de niveau. Donc pendant cette période, l'activité de pêche est très faible. Donc il y a très peu de dans les ménages. Donc beaucoup les hommes ne vont pas pêcher. C'est la période où il y a très peu d'activité, il y a très peu de revenus dans les familles. Et puis nous avons pensé que c'est la période où on peut apporter une certaine aide à un certain nombre de ménages. Ce qui justifie un peu notre œuvre sur la paix. Il est essentiellement constitué de quelques vivres. Dans le même temps, on a pensé aussi, vu la saison, il y a prolifération des moustiques. La lutte contre le paludisme faisant partie de nos causes au lyonisme, on a profité de cette action sur la paix pour faire aussi une œuvre sur le paludisme, pour lutter contre le paludisme au sein de cette communauté. Dans le rang des bénéficiaires, c'est la joie et le soulagement qui se lient sur leur visage. Ces derniers remercient leurs donateurs et lancent un appel à d'autres bonnes volontés. Il faut rappeler qu'en dehors de la lutte contre la faim et le cancer infantile, le Lions Club mène comme autre action la prévention de l'environnement, l'aide aux victimes de catastrophes et prévient les troubles de la vue.